Brachot. Chazak, on va ouvrir Rabotai Shavu Atom, Mesorotovot. On est le 8 dans le mois de Tammuz et on rentre dans les messages de Balak. Cette histoire, le seul qui voulait nous maudire et qu'il a reçu une paracha complètement à son nom. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de messages. Il y avait quelqu'un qui était voir le rabbin. Il se plaint que son voisin, chaque fois qu'il passait, il faisait des malédictions et il ne pouvait plus l'écouter. Et le rabbin, il a dit, dis-moi, avant qu'il faisait des malédictions, j'étais chez lui une fois pour qu'il va te bénir, ton voisin. Il a dit, non, jamais. Il dit, si tu n'as jamais calculé ses bénédictions, pourquoi tu veux calculer ses malédictions? Il a répondu, ce monsieur rabbin. Il a dit, je vais vous dire la vérité. Ses bénédictions, s'il me les aurait fait, je ne sais pas s'il aurait mis tout le cœur. Mais dans les malédictions, je suis sûr, hein, en l'attendant, qu'en printemps, qu'il met tout son cœur. Donc, je m'inquiète. Bon, le rabbin, il a dit, cette histoire que tu t'inquiètes, elle remonte depuis Balak. Et Dieu nous a répondu, hein, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a toujours des gens qui veulent nous éliminer par des chemins qui sont imprévus. C'était toujours comme ça. Chacun qui n'est pas fort, il veut tout faire pour éliminer l'autre, qu'il est capable même de tirer sur lui devant tout un peuple et essayer d'éliminer quelqu'un parce qu'il n'est pas bon. Donc tout ce système-là, d'utiliser le mal, d'enlever quelqu'un de ma route parce qu'il me gêne, c'est un signe de faiblesse. Balak et Bilam, ils ont vu que nous, on a Enaram, qui est la vie Yaakov. On est comme le lion. Le lion, on a déjà vu que le pauvre, 9 fois sur 10 dans la journée, hein, quand il essaye de chasser, il va échouer. Alors pourquoi c'est le roi de lion? Parce qu'il n'abandonne jamais. Et il se relève toujours et il regarde personne autour de lui. Et même si tout le monde, ils vont le critiquer, ils vont le dire, ça y est, il est cuit, il est fini, il est en bas, il est par terre, il se relève. C'est l'histoire du petit papillon. Il y avait un papy, il a donné, je ne sais pas comment il s'appelle le papillon, avant qu'il devienne papillon, il est golem, ça s'appelle en hébreu. Il est dans une petite coquille comme ça, chenille. Et le petit voyait comment il souffre, le papillon, et il voulait l'aider à sortir. Le papy, il a dit, surtout pas, si tu vas l'aider à sortir, il va s'envoler 2 minutes, et ça y est. Pourquoi? Ses ailes ne sont pas faites encore. Quand il est en train de faire comme ça, c'est qu'il est en train d'essayer de sortir, et c'est comme ça qu'il a toute sa force pour toute sa vie. Nous, le peuple juif, chers amis, si on observe ce matin, qu'est-ce qu'ils voulaient nous maudire, Balak et Bilam? Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Il a regardé autour, il voulait maudire les synagogues, les choses, mais à la fin, il a béni. Donc, qu'est-ce qui nous donne la force? La synagogue. C'est vrai que c'est des efforts. Il a continué. Amke la vie Yaakov, elle dit la Gemara. C'est quoi le peuple de Lyon? Tous les matins, on est là, les tefillin, la prière, on a des horaires. C'est vrai que c'est du travail. Mais c'est ça qui nous donne les ailes, c'est ça qui nous donne la force. Et peu importe tout ce qu'autour ils essayent de nous éliminer, peu importe par quel chemin, quoi qu'il arrive à Botaï, on est Baruch Hashem, Am Israël, Hay. Excellente journée, Shavua, tov et des bonnes nouvelles.